William, c'est nous. Oui. Brenda dit que tu l'as concassé le derrière, c'est-à-dire que pas la voix anale. Pas la voix là où le musée sort. Jamais. Jamais. Tu sais de quoi je vous parle. Tu sais que... Brenda, il a fait quoi? Je l'ai fait. Oui, toi tu as fait, mais on parle de l'autre. Comment il s'appelle même déjà? William Sangou. Non, pas Sangou, oui. William Semou, c'est William Semou. Non, c'est pas ça. William Senou. Oui, c'est lui. Longue Longue, tu m'aimes comment? Longue Longue est un morceau de viande. Moi, tu es qui? Saint-Jean-Polo. Saint-Jean-Polo, elle est comme ses parents. Quoi? Toi-même, tu coches là, tu es qui? Je suis Vanda. Ok. Te souviens-tu de ce qu'on t'a fait la dernière fois que tu as levé la voix sur quelqu'un, non? Tu ne parles pas. On m'a chicoté, j'ai même pissé du sang. Continue alors. On te dit que c'est une histoire d'une tote qui est sur la table. Et tu joues. Est-ce que c'est une histoire de buzz de rendement de stade de Brenda que vous avez organisé? Les buzz de 3 mois. Fichez le camp avec ça. Maman, ton ventre, ce n'est pas le cabinet. Parle. Tout ce que j'avais voulu, c'était être une star. Et il t'a proposé quoi? Il faut que je commence à faire la sodomie avec lui. Le Seigneur. Au secours, Seigneur. Petit frère, ne joue jamais. Le Ntota a encore frappé dans le showbiz camerounais. Venez, venez. Parce que William Seignon a quelque chose à nous expliquer ici. Aucun indice qui prouve, c'est seulement ce qu'elle dit. Non, quand même, elle dit des choses intéressantes là, quand même. Même les photos, les mes petites photos nudes que je lui ai envoyées, toutes les photos là sont sur les réseaux sociaux. Toi aussi, tu t'es obligé. Je sais que quoi? Lui ne m'a pas forcé, mais il m'a convaincu, me promettant que non, il va faire de moi une grande star. Tu es bête! Là, je reconnais, j'étais naïve, j'ai été idiote. Non! Il faut là-bas que je commence. N'exploitez plus mes œufs. Bande d'abrutis. Elle dit, avec sa bouche, qu'elle a été sodomisée de façon consciente. Pas consciente, mais consentante. Oui, il faut noter ça. Oui, elle le dit. Elle n'a aucune photo, aucun voice, aucune vidéo. Rien. Mais attends, elle était dans ton équipe, non? Oui. Alors? Nemi Brenda a été expulsée de cette équipe pour des faits qui sont clairs. Et c'est comme ça que tu veux expulser tous les autres qui regardent là? Personne ici ne sera encore avec moi dans 5 ans. Moi, je leur ai dit. La seule personne sera ma femme Laetitia. En tout cas, les gars, pariez sur OneXBet avec mon code promo MJP237. En passant, Laetitia, c'est qui, Brenda? Où est le rapport avec Laetitia? Toi qui dis que Laetitia, Laetitia a quel rapport là-dedans? Ah, peut-être qu'ils n'ont pas compris, donc réexplique. Chacun ici qui est là est employé chez moi et il est en seconde zone après Laetitia, parce que c'est elle que je m'en. Tu ne peux pas faire asseoir des gens devant toi et là dire qu'il ne travaille que pour le rayonnement de Laetitia. Ce monsieur n'a pas l'impression d'avoir mal parlé à ses artistes. Il torture psychologiquement ses propres comédiens. Il est piétine, il est humilié. Tout le monde voit. Bon, depuis que William a laissé ces gens-là, ils sont où? N'exploitez plus mes œufs. Bande d'abrutis. Ok, papa. Ouais. Ce que vous voyez là avec Longue Longue, c'est l'expression de la cruauté. Tu as passé toute ta carrière à injurer le président de la République. Tu vois, j'ai un problème avec les manières et les attitudes. Tu ne peux pas critiquer un truc à William et tu peux valider l'invitation de Ngando Piquet. C'est vrai que l'affaire de Ngando là, c'est quelque chose, hein. Aïe. N'exploitez plus mes œufs. Tu connais pas le contexte dans lequel j'ai fait cette vidéo. Je t'ai rappelé de ne pas parler à tes comédiens comme si tu parlais à des torchons. Ce que tu es en train de faire là, tu ne verras pas les artistes à qui ce monsieur a parlé se plaindre. Balzero, c'est un paresseux. Pourquoi tu dis c'est un paresseux? Il pue l'alcool. Moi j'ai dépassé. La musique n'a rien rapporté à Balzero dans sa vie. Quand même, Pifo. À part sa vieille mère blanche là. Tu as mon macabre depuis. Hein? Tu n'as pas honte, un vieux père comme toi. Quoi, vous êtes deux cobayes pour que je m'amuse. Tu n'as pas une grande carrière. Non, tu n'as pas une grande carrière. Ça, comme tu entres en renfort là, peut-être que vous étiez même ensemble. Balzero, tu es méchant. Mais alors, tu parles quoi? Tu méprises tout le monde et tu veux me donner des leçons de morale à moi, William Senou. Tu leur as parlé avec condescendance. Tu les as insultés. J'ai fait cette vidéo pour passer un message et pour donner une réponse à une certaine situation. Un homme qui est toujours dans quatre murs en train de faire des petites vidéos. Non, c'est un paresseux. Hey. Voilà le Cameroun qu'on veut nous léguer. Je sais que quoi.
Maintenant, je vais t'expliquer qu'est-ce que tu es, William Seignou. Tu connais mon parcours, Bassero? William Seignou, c'est BCC, Business Comedy Club. J'ai bien envie de demander qu'est-ce qu'il t'a fait. Il t'a dit, est-ce que Seignou t'a dit qu'il a tapé le boule de l'autre fille? Je n'arrive même pas à y croire. Le Cameroun, c'est un pays qui m'a toujours fatigué. En tout cas, ça continue de me fatiguer moi-même aussi. Les amis, en commentaire, dites-moi ce que vous en pensez. Vous likez la vidéo, vous la partagez et surtout vous vous abonnez. Moi, je vous aime et on se retrouve la prochaine fois. À la même heure et sur les mêmes longueurs d'onde habituelles. Ciao. La question c'est, est-ce qu'on peut développer un pays avec des soulards? Quelqu'un ici partagé. À droite, vous souhaitez partager. Voici la liste de groupes. Je veux que chaque personne partage au moins 10 groupes. Pour tous vos paris sportifs, inscrivez-vous sur OneXBet et utilisez mon code promo MJBet237 pour bénéficier de près de 200% de bonus lors de votre premier dépôt. Vous pouvez également partager ce code avec vos amis et vos proches. Merci.